Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sauvelmash. Je suis Alexandre Soudarive et nous sommes sur le chantier où le futur BTEI est en construction. Aujourd'hui, le temps nous plaît. La température est supérieure à zéro, ce qui signifie que c'est le meilleur jour pour continuer à remplir de béton les planchers intermédiaires. Nous sommes au premier étage du bâtiment à usage administratif et technique. Et toute la surface que vous voyez derrière mon dos et que vous verrez devant moi sera coulée de béton. Les travaux vont durer jusqu'au tard dans la soirée, jusqu'à la fin logique. Ce qui est intéressant, maintenant nos vaillants constructeurs préparent une partie de la surface pour la couler. Le nettoyage à la vapeur est effectué. Vous pouvez également voir la connexion du chauffage. De plus, sur la partie avant du bâtiment à usage administratif et technique, le coulage et le répandage du béton sont déjà effectués. Il y a une connexion des mélangeurs, l'un d'eux a été déjà versé, maintenant un nouveau est arrivé. En outre, les caméramans vont maintenant montrer la pompe à béton qui est installée et connectée. Il y a beaucoup de travail à faire, mais nos équipes ont déjà fait des choses pareilles. Cela a été vu dans tous les travaux que nous vous avons présentés plus tôt. Par conséquent, la tâche n'est pas nouvelle et elle sera exécutée avec succès. Il convient également de noter qu'un nombre assez important de travaux sont toujours effectués sur le chantier, en plus de ceux que je viens énumérer. Et au fait, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'entresol du premier étage qui borde le BAT, mais aussi les entresols du premier étage à l'arrière du bâtiment ont été remplis de béton, mais pas tous. Il y a encore des zones à couler. Cependant, il y a encore beaucoup de travaux de béton et vous verrez bientôt tout vous-même. Et maintenant, on va passer à une autre partie. Il y aura moins de bruit. J'espère que vous m'avez entendu. Et là, nous continuerons l'histoire de ce qui se passe à Sauvelmash. Allons-y. Le deuxième point de vue de notre vidéo d'aujourd'hui est la vue du mur coupe-feu. Nous sommes maintenant sur l'entresol du premier étage avec un plancher en béton déjà coulé, ce que nous vous avons montré précédemment. La pose de blocs de mousse se poursuit, le mur devient de plus en plus haut. Très bientôt, il atteindra le deuxième étage et les travaux seront complètement terminés. Vous pouvez voir un appareil que les constructeurs utilisent pour transporter des blocs. Et honnêtement, pendant que nous filmions le béton, pendant que nos opérateurs se préparaient pour le tournage, les gens qui s'occupaient de la pose des blocs, vous pouvez voir la rivure fraîche, elle n'est pas encore durcie, ces gens sont partis pour la pause déjeuner. Donc plus tard, nous vous montrerons peut-être comment cet appareil fonctionne. Allons au prochain point de vue et on vous dira ce qui est fait d'autre. Nous sommes donc passés au troisième point de notre vue. J'espère que vous pouvez bien voir ce qui est en arrière-plan parce que nous filmons de l'obscurité et nous voyons la lumière dans la fenêtre du BTEI. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'installation de structures de clôture, à savoir l'intérieur des murs, se poursuit en plein essor. Maintenant, on va vous montrer à quoi ressemblent aujourd'hui les structures de clôture du deuxième étage. Il est à noter que l'installation de l'intérieur des murs du deuxième étage est presque terminée. Cela s'applique à la fois à la partie de production du bâtiment et à l'entrepôt. Maintenant, cela a permis d'ouvrir un nouveau front de travail pour les constructeurs qui sont descendus plus bas et les collègues de la société Astron ont déjà commencé à recouvrir le premier étage. Ah bonjour Ivan, dites-nous quelques mots. Voici chers amis, il fait toujours comme ça. Rappelez-vous le visage de cet homme, il est responsable de nombreux processus de construction importants. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de travail. Verser le béton, prendre soin de la sécurité incendie, monter les murs, réceptionner l'équipement qui est livré. En général, beaucoup de travaux préparatoires sont en cours. Et nous ne pouvons pas vous les montrer tous. C'est le travail avec la documentation et certains travaux cachés qui précèdent l'exécution des tâches suivantes, etc., etc.
La nouvelle année est arrivée, les vacances sont terminées et le rythme continue d'augmenter. Donc, espérons que bientôt, et le temps passe très vite, nous espérons donc qu'à la fin de l'année, nous verrons déjà le BTEI fini et que nous célébrerons la prochaine fête de Nouvel An déjà à l'intérieur de ce bâtiment. Merci pour votre attention. Continuez à regarder cette vidéo, il y aura d'autres images que vous pourrez voir après mon discours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parlez du projet à tous vos amis. Cela aidera beaucoup notre développement. Au revoir.